Salut à toutes et à tous et bienvenue, vous êtes de nouveau sur ma chaîne YouTube, You Stupid. Nous sommes encore sur le jeu Black Desert Online. On se retrouve, nous sommes avec mon petit samouraï qui va nous farmer un petit peu de Efrit. Donc samouraï, autrement appelé le Moucha, enfin moi j'appelle plutôt samouraï, Moucha, Musa, enfin je sais pas exactement. Level 15, au niveau des Efrit, oui, vous avez bien entendu. Et ben on va les farmer un petit peu, histoire de passer level 16 assez rapidement. Donc vous pouvez voir que le niveau d'épaisse il est excellent. Vous voyez, je perds quasiment pas beaucoup de vie. Pourtant, il y a énormément de mobs à côté de moi. Et je fais même pas mal de coups critiques, car tout simplement, j'ai mis une petite pierre pour les faire plein de coups critiques, pour leur faire bien mal à ces petits effritalopes. Une petite potion de santé de temps en temps. On n'oublie pas de tout ramasser, des fois qu'on ait un peu plus de bonus, du stuff qu'on pourrait revendre, des pierres qu'on pourrait tout simplement utiliser dans notre stuff. Oh oui, des bonnes pierres. Oui. Et là, on peut voir aussi que j'enchaîne les coups critiques. Alors, regardez, critical. Ah là, ça c'est bon. Bon, bah, il n'y a déjà plus personne. Bah, on va peut-être changer de zone. Enfin, monter un petit peu, histoire de refaire un autre stack d'ennemis pour tous les défoncer eux aussi. Hein, c'est un peu le but. Hop, allez, on essaie de prendre l'aggro. Voilà, je crois qu'on a une bonne aggro. On défonce tout le monde. On n'oublie pas les petites esquives de temps en temps. Donc là, tout simplement, j'ai une esquive qui était pas mal. Avec ce personnage-là, c'est que tout simplement, vous appuyez sur votre petite clic gauche ou n'importe lequel pour faire la compétence de base. Et en même temps, vous appuyez sur les flèches gauche ou droite de la souris. Et vous verrez que c'est esquive quand même pas mal. En plus de ça, de temps en temps, appuyez sur un petit espace pour faire un petit empalement fulgurant. Ça augmente le DPS, mais quelque chose de bien, quelque chose de dingue. Donc dès que celui-là, ce petit effrite mineur va être mort, on va regarder un petit point vite fait sur nos stats. Vitesse d'attaque, 3 niveaux. Vitesse de lancement, 3 niveaux, on s'en fout un peu. Vitesse de mouvement, 1 niveau. Coup critique, 1 niveau. Mon stuff, j'ai quoi? J'ai un petit casque d'aguerrien, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. J'ai une armure d'aguerrien. J'ai des gants d'aguerrien avec Certi, un cristal magique du soleil qui me donne un niveau de chance de coup critique plus 1. J'ai la lame de Cid avec encertissage, un cristal magique de la flamme pourpre qui me donne tout type de précision plus 1. Et j'ai aussi des chaussures d'aguerrien. Donc ça fait en fait que je gagne énormément en vitesse d'attaque. Comme si franchement j'en avais besoin. Et voilà. Et en plus de ça, je gagne un petit cristal supplémentaire. Donc là, on va redescendre. On va refaire un petit coucou à nos amis Efrit qui sont en bas. Faut pas les oublier, ceux-là. Voilà, ils ont eu le temps de repop un petit peu. À peine le temps de repop qu'ils vont déjà tous mourir. C'est malheureux, ça, je trouve. Voilà. Je suis déjà 60%. 60%. Comme quoi, en fait, on gagne énormément avec un super DPS. Regardez comment je les taille en pièces, ces petits effrites. Ils sont taillés, ils disparaissent. Pouf. Il est où l'effrite? Il est fini l'effrite. Allez, un petit E pour nous faire des petits séparateurs. Séparateurs qui sont toujours level 1 au passage. Peut-être bien aussi que je monte en level. Une petite potion de santé pour faire plaisir. Allez, on va un peu ramasser tout ça. Dommage qu'il n'y ait pas, comme dans Guild Wars 2, un petit effet d'armassage de zone. Allez, ils sont finis, bon bah on fait quoi? Bah on monte, notre petit samouraï va remonter. En fait, on fait que des allers-retours, donc là ça fait 15, level 15, 72%. Bah on va voir une fois que ce stack sera terminé, à combien je vais passer. Un petit coup d'arc, un petit coup d'épée. Là, on peut voir que les coups critiques se font enchaîner de ces vitesses. Oh là là, pauvre adversaire. C'est quand même bien assez rapidement que je loot du petit stuff pour samouraï. Parce
Bah, il est sorti le 21, si je me trompe pas, aujourd'hui on est le 23 ou le 24. Donc ça doit encore se revendre à prix d'or, le stuff. Stuff de Moucha. De Mawesha. Hop, donc là on a gagné 15% en l'espace de 30 secondes. Ouais, on va dire ça comme ça. Le petit cristal, le petit collier, allez hop, un petit précision plus 2, hein, on n'avait pas assez de précision. Inventaire, voilà, pour gagner une petite place d'inventaire. Et c'est, voilà, celui que je voulais voir qui nous donne un petit... Ouais, ok, effet de résistance au repoussement, on s'en fout un petit peu pour l'instant. Ah, bah, on redescend, il y a déjà plus de monstres, ils ont même pas eu le temps de repopper. Au moins quelqu'un soit passé par là. Quelle est la vraie théorie? Quelqu'un est passé? Ouais, je pense que ouais. Là, ce sont tout simplement ceux qui ont voulu me suivre. Et vu que je suis allé trop loin, en fait, ils ont perdu la ronde. Regarde, la vitesse à laquelle... Et en plus, ils n'arrivent même pas à me toucher. Oh là là. Avec un DPS comme ça, je pense que... Si j'arrive à jouer régulièrement à Black Desert... Je vais monter extrêmement vite, je vais largement dépasser mon petit tranche-lame en level. Regardez-moi ça. Allez hop, un petit arc, allez hop, une petite flèche. Pour alterner de temps en temps les attaques. C'est coupe saucisson que j'aurais dû l'appeler en fait celui-là, la vitesse où il va. Coupe saucisson. Voilà, ça me donnera une petite idée pour... si jamais je me le refais. Je pense pas, mais... C'est jamais, hein. Si jamais je me refais, voilà, donc déjà level 16. Oh, toi je t'ai oublié, oh tu m'en veux pas, voilà. C'est fait. Juste là, rien que l'attaque de base, regarde à quel point elle fait mal. Bon, on va regarder vite fait ce que nous avons comme compétence. Donc lacération, ouais ça pourrait être pas mal, mais... Fulgurant, lui, il pourrait être vraiment pas mal de 120. Je serais à 150. Bon, là, je vais me prendre un petit coup. Vas-y, t'as raison. Bon, on va le faire. Ouais, un DPS vraiment de dingue, hein. On peut pas vraiment... Pour l'instant, je ne crache pas trop sur cette classe, j'ai... à part la défense qui peut être... et qui est sans doute laisse à désirer, tant que j'ai pas tout monté mon niveau d'esquive. Et pareil, une fois que le niveau d'esquive sera augmenté à fond, bah bonne chance pour ceux qui veulent me toucher. Pour l'instant, là, moi, j'enchaînerai les petits coups critiques. Les vitesses de dégâts... aussi tant de monde, allez, on va te faire plaisir. Bon, on va se mettre un peu en hauteur histoire d'attirer le moins possible l'adversaire. Et on va regarder vite fait les compétences. Donc j'ai cru avoir vu qu'on me proposait une petite flèche. Voilà. Voilà, c'est possible. Tous les coups, je suis sûr, il doit me manquer, je vais pas avoir assez de... C'est celui-là, donc point requis, ouais, voilà. Je n'ai pas assez de points requis pour pouvoir faire ma petite flèche. Dégâts chargés, 350%. On va attendre un petit peu avant de débloquer des compétences. On va attendre d'avoir 10 points de compétences de débloquer. Pour faire mon petit coup de flèche, ça me fera ma deuxième compétence d'arc. Ouais, les flèches sont gratuites en fait dans le jeu. Gratuites, elles se chargent automatiquement. Comme par enchantement en fait, vous récupérez des flèches dans votre carquois. Vous avez un DPS à distance et en plus de ça, vous pouvez en profiter gratuitement.
Voilà, 12 points de compétences que je vais avoir à dépenser. Et meurs toi, voilà. Toi aussi. Donc on va aller voir vite fait les 12 points ce que ça donne. En attendant, voilà, je suis déjà à 20% du level 16. Une énorme avancée. Alors, hop, donc on a dit flèche grappin, non. Flèche véloce, ouais. 100% de conservation. Morsure du dragon, 215 plus fragilité. Trancheur, j'ai pas le souvenir de beaucoup l'utiliser. Allez, on va se faire une petite flèche. Ah, je ne peux pas le mettre en bas, c'est dommage. Ah ouais, pendant ce temps-là, regardez. Je me fais voler mon spot. Par quoi? Par un autre comme moi. Nous sommes deux comme ça, du coup. Ah bon, bah déjà, un tout seul, ça allait trop vite. Alors à deux, je vous explique même pas ce que ça va donner. Imaginez, on fait une alliance ensemble, une guilde. Oh. Non, c'est pas possible. Les adversaires, ils vont pleurer. Je suis d'abord en mode combat. On va tester la flèche. Ouais. 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 Il disait 350. D'accord, ok. Peut-être 350, mais seulement avec l'arc que j'ai déjà qui me fait que très peu de dégâts. Il fait que... Ouais, 2. 2. Bon allez, hop, achève-moi tout ça. Allez hop, ça dégage. Voilà, et puis bah on va se quitter sur notre petite level 16 et 30%. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez pu en apprendre un peu plus sur le gameplay. Enfin en tout cas, sur la façon dont moi j'utilise mon petit samouraï. A vous de me dire de quelle façon vous l'utilisez. J'aimerais bien savoir votre tour. Car si ça se trouve, je passe à côté d'un DPS totalement merveilleux. Enfin, si ça se trouve. Et dans ces cas-là, ça voudrait dire que là, tout ce que j'ai découvert jusqu'à présent, ben, c'est rien du tout comparé à ce que vaut vraiment le petit samouraï. Allez, à une prochaine. Salut, salut !